Salut à tous, c'est Dax et on se retrouve aujourd'hui avec Gemero. Alors Gemero qui se met la tête dans le bateau, non dans la pierre, parce qu'il est tellement heureux de me retrouver après tant d'absence. Salut. Je sais même plus de quel côté il faut le voir. Voilà, d'accord, voilà, il est très heureux. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale, une petite vidéo tuto pour vous faire patienter en attendant que la chaîne se reprenne vraiment, parce que j'aurai que cette semaine en fait, où je serai quand même pas mal absent pendant cette semaine, mais j'aurai quelques jours quand même pour tourner un petit peu. Et donc là j'en profite pour faire une petite vidéo tuto pour vous avec en compagnie de mon Gemero. Donc c'est un petit tuto un petit peu con en fait, parce que on va vous apprendre comment faire des belles routes pour faire pour vos serveurs, enfin, ou vos villes, des petits conseils, enfin moi, enfin nous, moi, ce qu'on aime bien, comme on les aime, nos routes. Voilà. Et on vous fera, on vous montrera notre serveur. À quoi ressemblent les routes de notre serveur vite fait. Alors nous, les routes de nos serveurs ressemblent à ça. Principalement. Oh. Alors c'est très simple, on n'a pas voulu s'embêter. Vous voyez la stone, ça fait le trottoir. Pousse-toi. Ça fait comme ça. Ouais, quand voilà. Ça monte d'un demi-étage, on monte d'un étage pour le trottoir. Et voilà. Oh. Donc voilà, c'est très simple. C'est assez sympa. Donc après, on a fait sur la route, comme nous, on est dans un biome qui est malheureusement enneigé depuis des modifications de serveur et tout, alors qu'avant, il ne l'était pas du tout. On est obligé de mettre des torches tous les deux blocs pour éviter que ça s'enneige, tout simplement. Mais voilà, on fait aussi des trottoirs, non, qui sont espacés de deux... Je leur montre. Non, regarde, il est là. Voilà, ça se commence, il commence là. Donc c'est une petite route pour l'instant assez simple, assez sympa. Vraiment de base. Sauf que c'est un peu plus loin du trottoir. Bon, voilà, après, on peut faire route plus épaisse. Alors, moi, je vais la faire. C'est-à-dire comme ça. Ah, mais je vais la faire. J'en fais une autre. Alors, comme ça. Ça, c'est pour les allées de mairie, par exemple, comme on a fait nous. Je sais pas si on a fait le trottoir comme ça. Attends, je vais te montrer. Bouge pas. Alors, est-ce qu'on a World Edit? Parce que j'aimerais bien faire avec World Edit. Voilà. Et là, ce qu'on fait, c'est au milieu, tous les deux blocs, on met deux glowstones. Alors, voilà, comme ça. T'inquiète, alors, pareil, ça illumine, on n'a pas besoin de mettre de lampadaire, il n'y a pas besoin de mettre de torche pour enlever la neige. Et quand on l'allonge, regardez, et on peut faire 6, allez. Et voilà, ça donne ça comme route. Une route assez sympathique. Ah, d'accord. En fait, c'est tous les 4, mais voilà, ça donne une jolie route. Assez moi, agréable. J'aime bien, après, regardez. Lampadaire, mais... Time, on va faire à time night pour montrer. Je vais mettre, ouais. Voilà, time en nuit. La nuit, ça donne comme ça. Vous voyez, c'est très éclairé et sympathique. Vas-y. Un petit bac. Enfin, un time day. Alors, présenter une route que j'ai. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il va faire. Là, je le laisse faire. Je lui fais totalement confiance. Léandre du 77, ah, il est là. Faudrait pas qu'il nous rejoigne sur le ETS par contre, pour pas qu'il nous dérange. Bon, en attendant qu'il construise sa petite route, Gemero, je vais vous montrer quelques petits lampadaires assez sympathiques que j'ai fabriqué moi-même. Attendez que je trouve les barrières. Aussi que tu mettes l'IP du serveur. L'IP du serveur dans la description. Non. Oui. Non, t'es malade. On va venir nous griefe les trucs. Non, j'ai pas envie ça. On vous veut bien, par contre, on veut bien faire venir des gens. Mais il faut un micro, TeamSpeak ou Skype. Et que vous soyez sympa, que vous ayez, voilà. Et il faut surtout être de confiance. De toute façon, on peut avoir vos IP et tout. On peut vous bannir dans tous les cas. On a des backups, donc il n'y a pas forcément de soucis là-dessus. Mais voilà, ce sera à vos risques et périls pour si vous faites des conneries. Alors il y a ce petit lampadaire, il y a le lampadaire tout simple comme ça pour faire un lampadaire vite fait mais qui éclaire bien. Alors celui-là, il est à espacer tous les 4 pour faire quelque chose de plus vraiment assez lumineux. Attendez, comme il est petit, on n'a pas besoin de l'espacer de beaucoup. Voilà, vas-y. Voilà. Attends 2 secondes, je fais les lampadaires vite fait. Alors il y a le grand lampadaire comme ça qu'on fait sur notre serveur comme ça, tout simple, mais lui on l'espace de 7 pour parce qu'il est grand et du coup ça fait pas trop encombrer. Et après on peut innover, hein, on peut faire comme ça.
3, 4, comme ça, un peu plus haut. Et on y met des torches autour, ou on peut y mettre des... on peut plus mettre des torches sur la glowstone. Ah bah mince. Et ben on peut mettre les fence gate, comment ça s'appelle, les trappes, où c'est les trappes. Ah là. Alors comme ça pour faire plus joli. Voilà, du petit lampadaire sympa. Voilà, regarde, ça donne ça. Ouais. Vous voyez. Donc là c'est la route. Ouh, elle est vraiment sympa, c'est super sympa cette route. Et tu l'éclaires comment là dans ce cas-là? Allez, après tu mets des lampadaires, tu mets ce style de lampadaire. Le grand là ou le petit? Celui-là? Le moyen grand. Enfin, il faudrait peut-être le faire en fait, le faire un peu plus haut comme ça, regarde. Ouais mais donc, un serveur, je crois qu'il est un peu plus gros. Non, il est de cette hauteur. Attends, ça. 3 4 et on l'augmente de 5. Pour faire comme ça. Et ouais, regarde, c'est aussi... hop, ça fait largement plus classe. Ah oui, comme ça, pour faire un double en plus. Voilà. Alors sinon, il y a plusieurs idées. Donc voilà, ouais, vous faites bien comme vous voulez. On vous donne 2-3 petites idées, c'est assez sympa. Donc on vous a présenté déjà 3 routes. Donc les routes, il vaut mieux les faire dans l'esprit du... De la ville. Enfin, de l'endroit où vous êtes. J'avoue que nous, sur notre serveur, on l'a pas vraiment fait dans l'esprit de la ville, puisque nous, on est plutôt esprit bois, sandstone. Donc cette route, elle aurait été plus appropriée. Donc peut-être si on aura le temps, on changera, peut-être non. Je sais pas, on verra. La map manque de place, donc... Surtout, ouais. On a. On s'est pas posé dans un truc assez plat. Alors, je me mets... Voilà, qu'est-ce qu'il va nous faire, le petit... Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah oui, en parlant d'escalier, ce qu'on peut faire aussi. Alors désolé si j'utilise celui-là de mode pour rechercher les M, c'est que je suis pas du tout habitué à l'autre. Et les panneaux sont où? Les panneaux, j'y suis pas loin, quoi? j'arrive, les panneaux. Ah, quoi? Ils sont là. Voilà. On peut faire aussi au bord des routes, tout simplement, des petits bancs comme ça. Vous voyez, tout simple, ça fait super sympa. Et mince. Ah, mise à jour de l'1.1, voilà. Ça, c'est, voilà, il y a ça. Voilà, et comme ça. Route, enfin. Et vous pouvez faire des petits bancs comme ça, de part et d'autre de la route. Comme ça, attendez. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Et comme ça. Vous voyez, ça fait un... Non. Pourquoi il s'est mis là? Vous voyez, ça fait un joli effet, ça fait plus convivial. Et vaut mieux les mettre, regardez, je les ai mis au milieu, entre les deux, là, sur les deux blocs du milieu. Ça permet de le faire plus centré, et on fait ça, on répète ça à chaque fois, et ça peut faire ça assez sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous fais, là? Il y a une araignée. Elle est en dessous. Butcher. Voilà, ça c'est vraiment si vous avez de la place, et si vous avez du bois à gaspiller. Oui, après nous on le fait, notre ville, on l'avoue, on l'a cheaté en fait, parce qu'on n'avait pas le temps de tout récolter, surtout on voulait juste faire pour faire quelque chose de joli, tout simplement. Oui, après c'est pas nécessaire les demi-dalles derrière, ça fait plus joli sans, je trouve même. Parce que ça fait vraiment effet barrière. Ouais, maintenant avec la mise à jour, c'est mieux de les éclairer avec des torches, je trouverais. On met les torches derrière les escaliers comme ça. Maintenant avec la mise à jour. Alors TeamSpeak qui fait des siennes. Regarde comme ça là. Ah oui, on peut faire ça maintenant. Ouais, moi c'est bon. Faut aimer. Je suis pas habitué peut-être aussi. Regarde derrière les escaliers, ça met des torches comme ça, c'est clair quand même. Et puis c'est sympathique. En plus il y a la nuit qui tombe. Voilà. Alors on va faire time night. Voilà, regardez, on voit pas beaucoup les torches, et pourtant c'est quand même très bien éclairé. Ouais, désolé pour la coupure, alors voilà. Bon, il est en train de faire ce qu'il veut. Bon, aussi, il y a pour les ponts, bah c'est ça. Ouais, non, on va pas faire les ponts. Bah les ponts, voilà, ça peut être une très belle route de pont, pour faire un pont. Après, avec des trucs... Les ponts, c'est plutôt sympa quand c'est fait avec du bois, je trouve, moi. Ouais, bah ça c'est bien, genre... Regarde, on va les montrer, je vais aller montrer le pont que j'ai fait dans le... Alors, spawn... Attends, je te TP.
Alors je suis au spawn, voilà. Alors vous avez la mairie là avec nos deux petits membres, avec notre petite membre. Donc vous voyez la route comme je vous le disais, on a fait comme ça. Sauf que nous on a espacé que 3. Donc voilà, on vous fera une présentation du serveur plus détaillée. Là je vous montre juste à peu près les routes. Là c'est un petit peu l'anarchie pour ces routes, c'était bizarre. Donc vous voyez là, on a fait avec les torches mais aussi les lampadaires pour éviter qu'il y ait la neige qui s'y pose dessus. La neige un peu partout, ça c'est... Ouais, c'est un peu pénible mais bon. Quelqu'un sait comment régler ce problème avec un plugin, enfin changer de biome parce que déjà là. Veuillez nous informer. Très moche. Donc je vais vous montrer, j'ai fait un viaduc en bois comme ça. Non cheaté, enfin si cheaté mais je veux dire je l'ai pas copié-collé celui-là. Vous voyez, simple comme ça avec les barrières et les petits trottoirs comme ça. Ça fait assez sympathique ça. On a une impression de sécurité parce qu'on sait qu'on peut pas tomber, mais à la fois on peut se mettre sur le bord pour regarder en bas, c'est sympathique. Et là-bas, le pont. Qu'est-ce qu'elle a dit, Steph? À quoi tu joues, toi? Rien du tout. Donc vous voyez là, le pont. Alors j'ai fait milieu bois sur les côtés, demi-dalles superposées comme ça. Et ça, là par exemple sur les côtés ce sera piéton et au milieu vous pouvez mettre des minecarts pour faire un minecart. Et puis à la fin j'ai fait cet escalier. Voilà, ouais, c'est simple, cet escalier très moche, un autre petit pont comme ça qui reprend celui du viaduc un peu, sauf que c'est des doubles slabs au milieu. Oh. Et là bah j'ai essayé de faire une petite transition entre la route en bois et la route en demi-slab. Voilà des petites techniques avec notre Chrysler Building ici qui charge. Donc voilà, on vous a montré la plupart de nos routes. Les carrément. Routes qu'on connaît, donc. Voilà, si aussi la route centrale qu'on a repris. La route centrale, on l'a repris comme celle du milieu. Un petit pont assez sympathique comme ça, où on met pas de trottoir et qu'on fait voilà comme ça. Avec la fontaine qui va bien ici. Un tunnel. Donc vous voyez comment on l'a fait. On l'a fait passer, descendre comme ça un petit peu. Sympathique, on a mis de la glowstone. Je dis beaucoup sympathique, on a mis ça ici. On a fait l'éclairage à l'intérieur. Moi, je le fous là, je le fasse maintenant. De quoi? Passe complètement. Voilà, pas comme le... ça, tunnel vers la nouvelle ville. Et voilà, après, il y a la petite route qui mène à ma maison, là, comme ça, avec les escaliers tout en bois. Donc, au début, ça, c'était la première route qui a été faite. Avant, il n'y avait pas du tout de route. Ça je l'avais fait au tout début du serveur quand la mairie était même pas encore là, c'était la première maison qui était construite celle-là. Donc voilà. Ah la mairie. Et là aussi j'ai fait une route simple parce que c'est une route de liaison on va dire. Qui lie les deux villes un petit peu comme une route de campagne en fait. Et voilà, notre petit village avec les routes très simples comme ça. Voilà. Un petit centre comme ça, regardez. Un centre de place en fait, assez sympa aussi. Là, un tohu-bahu d'arbres. Re les amis, alors petit récapitulatif des routes. Alors la route simple que vous pouvez faire partout dans la ville pour lier les maisons ou les lieux, c'est comme ça, deux doubles slabs entourés de stone. Quand il y a quelque chose, quand ça monte comme ça, vous en mettez une en hauteur, comme ça permet que ça fasse pas du vide comme ça et qu'on voit les stone slabs. Voilà. Ah, enfin le mode créatif ça a modifié parce que quand on prenait la stone ça nous donnait de la cobble. Bon bref, donc voilà, petite route simple. La route principale, par exemple si vous voulez faire une grande rue principale, vous faites comme ça, 4 stone double slab de largeur. Tous les quatre, vous mettez deux glowstone au milieu, entouré de stone pour faire des trottoirs. Et vous pouvez, si vous voulez, ça c'est pas obligé, mais mettre des bancs comme ça sur les côtés. Regardez, je vais pas mettre les panneaux à chaque fois, mais c'est juste pour vous montrer à peu près l'effet que ça donne. Voilà, pour faire un effet plus convivial, que les gens puissent s'asseoir s'ils sont fatigués, même si la fatigue n'existe malheureusement pas dans Minecraft. Voilà, ça donne cet effet, c'est assez sympa aussi. Donc voilà. Et oui, aussi cette route, si vous avez une ville principalement faite de stone, de sandstone, etc. Ça peut être bien sympa et bien joli. Et cette route qui est bien faite pour les ponts, qui peut être jolie, regardez.
avec des escaliers, une demi-dalle, un escalier, voilà, un milieu en bois, les côtés en bois brut, et derrière les escaliers des torches cachées, histoire que ce soit quand même éclairé mais que ce soit pas voyant. Ça vous évitera de mettre des lampadaires ou des choses comme ça, ça fait plus joli. Voilà. Et ben, cette vidéo, hein. C'est déjà bien. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Merci de nous avoir regardé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. De liker, de commenter, de poser des questions. Visitez aussi les chaînes. Petites questions. Visitez les chaînes amis aussi parce que c'est des très bonnes chaînes. On vous dit à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Allez, à plus.